L'antre de Coraz, donc. Oh, notre premier Krogan. Oh, c'est pas du tout ici qu'on devait aller là, si? Ah si. Non? Peut-être. Morlan, bonjour. Bonjour, bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne marchandise? J'en ai un à foutre. Très bien, comme vous voulez. À bientôt, humain. Ça va, il le prend bien. Une race de Werner. Wow. Non mais je rêve pas, c'est vous? Et c'est moi. Le commandant Shepard, héros d'Eden Prime. C'est un véritable honneur de vous rencontrer, commandant. L'information circule vite. Enchanté. Et vous êtes? Je me présente, Conrad Werner. On raconte que vous avez tué des centaines de guettes sur Eden Prime. Au moins. Le plus important, c'était d'aider les colons et rester en vie. Dites, si ça vous dérange pas, je pourrais avoir un petit autographe vite fait? Oui. Si ça peut vous faire plaisir. Merci, c'est vraiment chic. Ma femme ne va pas en revenir. Merci encore, commandant. Je ne vous retiens pas plus. La prochaine fois que vous passez dans le coin, je vous paye un coup. Elle était bizarre ta barbe, monsieur. Menu échappe, tu m'as dit. Ah bah oui, putain, je suis aveugle. Regardez-moi ces yeux de poisson mort. Putain, ils ont de ces gueules d'eux. Hein. Ouais, y a quand même eu un taf sur les textures. Hein. Ce serait mentir que de dire le contraire. Hein. Je me rappelle plus trop du 1, mais je veux bien croire que le 1 ressemblait pas à ça. Hein. Non, ouais, je dirais que le seul problème réel, c'est que ouais, ça aurait pu être peut-être un peu plus taffé sur les lumières. Mais enfin, si, c'est peut-être aussi parce que le 1 c'est un enfer, hein. c'est peut-être moins visible dans le 2 et le 3, c'est peut-être plus stylé quoi. On verra. Salutations, être humain. Vous arrivez tout juste des colonies, à n'en pas douter. Avez-vous besoin de provisions? Montrez-moi ce que vous avez. Mais avec joie. Je suis sûr que vous avez trouvé quelqu'un. Mais d'accord, mais j'ai pas les sous. C'est le meilleur endroit du secteur pour acheter du matos. Bah, ça tombe bien, j'en ai. Que vous ayez acheté ça ici. Je ne vends pas ce modèle. Écoutez, je sais que c'était ici. Je me rappelle votre tête. Vraiment? Bravo. D'habitude, les humains ne sont pas fichus de distinguer un Turien d'un autre. C'était ici. Bon, vous allez me rembourser, oui ou non? Vous avez votre preuve d'achat. Quoi? Non, je... Vous ne m'en avez pas donné! Alors désolé, je ne peux rien faire pour vous. Mais! C'est comme ça. Ah, c'est fait bait. Au bonhomme. On se balade, hein. Commandant Shepard! Excusez-moi, commandant Shepard! C'est la journaliste relou, non? Je m'appelle Emily Wong. Ah, merde, je c'est elle. Suis journaliste d'investigation à la Citadelle. Vous auriez quelques minutes à m'accorder? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux faire la lumière sur la corruption et les activités illégales qui ont cours ici. Mais il y a certains endroits auxquels je n'ai pas accès. Non, c'est tout je pas elle, alors. Je me demandais si vous seriez disposé à me communiquer les résultats de votre enquête. Moyennant compensation, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait croire que mon enquête va vous être utile? Vous ne seriez pas là si ce n'était pas important. Et si c'est important, ça m'intéresse. Vous avez certainement de meilleurs informateurs que moi. Pourquoi m'avoir choisi? Toute source d'information est bonne à prendre. Mais je pense que vous êtes ma meilleure chance. J'ai consulté votre dossier. Si quelqu'un peut mettre fin à la corruption, c'est bien le héros du Redskillien. Comment savez-vous sur quoi j'enquête? Tout bon journaliste a ses sources, commandant Shepard. Je ne promets rien, mais si je déterre quelque chose qui peut vous être utile, je vous contacterai. Merci, commandant. Vous ne le regretterez pas. Alors, je crois que c'est pas elle, la journaliste casse-couille. Je sais qu'il y a une journaliste à qui tu peux mettre des grognons si tu... Des grognons, des nions, des grosses patates de fourrin si t'es énervé, mais... Et que tu la croises dans un peu tous les Mass Effect, mais... C'est peut-être pas elle, en fait. Ou alors c'était avant qu'elle devienne relou, je ne sais pas. C'est vraiment... gigantesque.
Bien vu, Kaidan. À observer, chef. Ouais, voilà. Quel foutoir. Ce n'est plus une station, c'est une vraie ville. Il doit y avoir des millions de gens ici. Ça doit être presque impossible de contrôler les entrées et les sorties. À côté de ça, Point Zéro ressemble à un placard à balai. Et c'est la plus grande station de l'Alliance. Moi qui trouvais Point Zéro imposant. Non mais vous avez vu la taille des secteurs résidentiels? Comment ils font pour maintenir la cohésion d'une telle masse? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de races au Conseil. Pas étonnant qu'on doive montrer patte blanche. C'est vrai que ça doit être un sacré merdier de faire cohabiter toutes ces cultures. Il y a un vrai problème avec les chutes, Kaidan, par contre. Pas les humains. Je ne vois pas pourquoi. On a des océans, des filles glamour, une émotion de mes désirs. Dans les vieux holos, c'est toujours ça qu'ils veulent, les aliens. Je veux bien jouer le rôle de la terrienne avec mini-jupe en alu et cuissarde, mais il faudra d'abord m'offrir le resto. Oh non, va chier. Chef. Ça suffit, artilleur. On oublie, hein. Bon, on n'est pas venu ici pour bavarder. Allons-y. Compris, commandant. Ah non, tu me fais pas du gringue, Ashley, hein. Par contre, tu me fous la paix, hein. C'est non. Cette interaction était très drôle par contre. Y'a quoi par là? Académie du SSC. Oh bordel, c'est grand. Mais c'est beau. L'infirmerie. Qui on a ici? Non, calme-toi. Bonjour, commandant. Je suis le docteur Chloé Michel. Je peux faire quelque chose pour vous? Non. Au revoir. Au revoir, Chloé Michel. Merci d'être passé. Avec ta voix de robot, là. Système pare-feu? Où ça? Ah, j'avais vu une interaction, mais... Kaidan, casse-toi. Système pare-feu. Ouais, je sais pas. Ça c'est bien par contre. Mais arrête, bon dieu. Ah, c'est fermé ici. Après, pour l'instant, j'insiste aussi pas mal sur tout ce qui est dialogue secondaire et tout ça, vu que ça permet d'un peu introduire l'univers pour les potentiels viewers qui ne connaîtraient pas Mass Effect. Pour la suite, quand je verrai que c'est des trucs qui sont peut-être un peu redondants, on sera un peu moins insistant dessus. Hein. Il faut que j'arrête de cliquer droit sans faire exprès. Hein. Il y a quoi par là? Et par là? Bon, ici, ça a l'air d'être un peu vide. Et pourtant... Oh, la musique d'ascenseur! Merde, c'est plus la même. Attends. Ah merde, on l'a perdu. Et on a perdu Ashley aussi. Bon, c'est pas grave. Elle le retrouvera, hein. Je m'en remettrai, c'est promis. Et donc là, par ici entre Coras, je crois que c'est déjà un peu plus le plan. Oh merde, l'arbre là. Je veux dire, oh chouette. Mais non, c'est de là où je viens. Ok, donc par là. C'est lui. Oula. Mais attends. J'ai un nouveau sort, moi. Ah, le dessert. Mais il s'en fout. Bon. C'était des hommes de Saren. Sans deck. C'est dégagé, commandant. Trop de bruit, trop de lumière. Ouais. Non, c'était personne. Regardez, il n'y a personne. Vous l'avez imaginé. Qu'est-ce que je disais?
contre les tenues des nanas, elles ont aucun sens. Quoi. Ils se sont lâchés. Recule, Vrex. Ah. Fist nous a dit de t'abattre si tu te pointes. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, ils ont bien... Là. C'est la seule chance de Fist. S'il est malin, il la laissera pas passer. Inutile de l'attendre, Vrex. Point final. Non, point de suspension. Foutez le camp, humain. C'est pas après vous que j'en ai. C'était quoi, ça? Qui sait? L'important, c'est de pas être au milieu, c'est tout. Le rework des Krogan a une bonne tête. J'ai envie d'aller leur demander. Bonjour. C'est privé par ici. Réservé à Fist et ses amis. Qui c'est ça, Fist? Le proprio du club. Mais les clients restent en salle. Que voulait Vrex, l'autre Krogan? Ça ne vous regarde pas. Pas très causant, hein? Pour ça, videur, hein. Passez une bonne soirée. Oh, merci. Général Septimus, il fallait qu'on lui parle à lui. Pas maintenant, je suis occupé. Ouais, je vois ça. Commandant, que voulez-vous? Quel est le problème, Général? J'ai vu pas mal d'horreurs dans ma vie. Et dans toute la galaxie, il n'y a qu'une femme qui arrive à me les faire oublier. Alors pourquoi raconter tous ces mensonges sur elle? Parce qu'elle ne veut pas de moi. Moi, Septimus Oraka, général de la flotte turienne. Elle en vaut vraiment la peine? Il y a tellement d'autres femmes. Je ne veux pas d'autres femmes. C'est elle que je veux. Écoutez, c'est gentil d'essayer, mais vous perdez votre temps. Tu vas voir. Général, vous avez déjà remporté une bataille en chialant au fond d'un bar. Ah, la guerre. C'est vrai que ça y ressemble. Comment j'en suis arrivé là? Vous croyez que c'est aussi facile? Qu'il suffit de bomber le torse et de faire le général? Ça ne peut vous faire que du bien. Vous avez peut-être raison, commandant. Shaira en vaut bien la peine, même si elle ne me laisse pas revenir. Ce n'est pas un endroit convenable pour quelqu'un comme vous, général. D'accord. Après avoir pris une bonne douche froide, ou deux, vous avez l'air plutôt futé dedans. Ça vous dirait de vous faire quelques crédits? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un diplomate Elcor qui pense que Shaira a divulgué ses secrets. Ah oui, on l'a vu, hein. Qu'est-ce qui lui fait croire ça? C'est moi qui le lui ai dit. Écoutez, je voudrais juste que vous parveniez à le convaincre du contraire. Et pourquoi il me croirait, moi? Parce que vous allez lui apporter la preuve. Tenez, prenez ce datapad. Il indique où j'ai eu mes infos. Ça permettra de disculper Shaira et de convaincre l'Elcor. Je le donne à qui et je le trouve où? Un diplomate Elcor nommé Xeltan. Il est aux ambassades, en train de vider son sac sur Shaira. Ouais, on l'a vu, on l'a vu. Eh ben, voilà un soldat, un vrai. Merci, commandant. Vous savez, vous pourriez faire un bon général un jour. C'est vrai que ce mec est censé être plus gradé que moi. Vous imaginez un général de cette trempe dans cet état à cause d'une femme? Parce que vous ne comprenez rien aux femmes, Kaidan. Ah, bouché. Je comprends mieux l'intérêt de cet endroit. Sacré paysage. Putain, mais en fait, c'est un... Rassurez-moi, lieutenant. C'est de la bave que vous avez sur le menton. Arrêtez, trop d'infos. Et nous voilà à 1 million d'années-lumière de la Terre. Et qu'est-ce qu'on trouve? Un taudis ou une meute de types chauffés à bloc bavent devant des filles qui se trémoussent à poil. Je sais pas s'il faut rire ou pleurer. Vous ne croyez quand même pas qu'ils sont là pour la bouffe? Vous êtes fatigant. Vous croyez que c'est abordable de vivre ici? Le Présidium, très peu pour moi. Ici, au moins, ça bouge. Toutes ces voitures, elles montent jusqu'à combien, d'après vous? Vous croyez que c'est abordable de vivre ici? Ce genre d'endroit, c'est pas trop mon truc. Mais la vue est impressionnante. Fermez-la, vous me soulagez. J'ai des trucs à faire ici, mais pas avec vous. Désolé, je reviens dès que possible. Oh non, on va laisser la dame tranquille. On va parler à Arkane. L'armée de l'Alliance? J'aurais pu devenir marine, vous savez. Au lieu de ça, j'ai rejoint cette foutue garde de la citadelle. La plus grosse erreur de ma vie. Arkane, c'est ça? On m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver quelqu'un. Un Turien, officier du SSC, nommé Garrus.
Garrus ? Oh, vous êtes avec le capitaine Anderson, pas vrai ? Il essaie toujours de se farcir sa haine ? Je sais où est Garrus, mais d'abord dites-moi, est-ce que le capitaine vous a raconté son grand secret ? Je veux juste savoir où est Garrus. Mais tout est lié, vous voyez pas ? Quelqu'un était un aspect que vous avez beaucoup, hein, pas étonnant, c'était top secret tout ça, il a été le premier humain à recevoir cet honneur, il s'est planté dans les grandes larges. T'as une extinction de voix, monsieur. Il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont viré. Bien sûr, il en veut à sa reine. Il dit que c'était un coup monté du Turien. Dites-moi juste, où est parti Garrus ? Il traînait du côté du bureau du docteur Michel, la fille qui tient la clinique à l'autre bout des secteurs. Aux dernières nouvelles, c'est là qu'il allait. Vous connaissez bien le capitaine ? J'ai rencontré plusieurs fois. Un de ces militaires inflexibles. Affirmatif, négatif. Faut dire que c'est dur d'avoir l'air cool avec un manche à balai dans le cul. Ça doit être pour ça qu'il a gagné du galon si vite, d'ailleurs. Les militaires adorent les lèches-culs. Le capitaine est un bon soldat. Ouais, c'est ça. Emballez-le dans un uniforme de gala, clouez-lui des belles médailles sur le poitrail et collez-lui une étiquette de héros. C'est ce que tout le monde fait. Mais s'il est si balèze, pourquoi les spectres l'ont foutu dehors, hein ? Allez donc lui demander ça ! Justement, vous feriez mieux de lâcher un peu la bouteille et de vous reprendre un peu. Laissez tomber les sermons, on n'est pas dans une église. Bah voilà, bah alors ferme ta gueule. Ouais, t'es chiant. Ouais, c'est ça. Allez, laissez-moi picoler tranquille. C'est ça, picole, picole. Pourquoi le capitaine Anderson nous a caché qu'il avait été spectre ? Harkin est un compte première. Si ça se trouve, il essaie juste de nous embobiner. Ouais, sans doute. Enfin, j'aimerais quand même entendre la version du capitaine. Mais en même temps, personne t'a demandé ton avis, Ashley. Et tout le monde s'en fout. Et alors, le docteur, c'est par là. Et arrête. Un peu trigger happy, mon Shepard. C'était en haut, mais... C'était en haut ou en bas ? En haut, hein. Ah, c'est là. Tu penses qu'il existe des gens qui ont fait tout le jeu avec des compagnons humains ? Peut-être. Oula. Je crois que le jeu essaie de me faire passer un message. Putain, je suis con. Non mais, ouvre juste la porte. Allez, courage, Shepard. Shepard, ouvre la porte. Oh la vache, ça va être long. Range cette arme, Shepard. Kaiden, qu'est-ce que tu fous ? Ici. Oh la vache. On va y arriver, hein. Ok, Dan. Alors comment on fait, là? J'ai plus le droit d'appuyer sur les boutons. Un peu emmerdant.
essayer de recharger. Ah, parfait. Je n'ai rien dit, je le jure. Et vous avez bien fait, Doc. Maintenant, si Garrus passe par ici, pas de coup fourré. Bouclez-la, ou sinon... Qui c'est, ça? Laisse-la. Bon. C'est mon badass. Oh, pardon. Faut jouer. Et ben voilà, on va tous. C'est qui ces boss? Oh! Synchro parfaite, Shepard. Ligne de tir nickel, grâce à vous. Content d'avoir pu vous aider. Docteur Michel, vous êtes blessé? Je vais bien. Grâce à vous tous. Je sais que ces hommes vous ont menacé, mais si vous nous dites pour qui ils travaillent, nous pouvons vous protéger. Ce sont des hommes de Fist. Ils voulaient m'empêcher d'avertir Garrus au sujet de la Carienne. La Carienne? Quelle Carienne? Il y a quelques jours, une Carienne est entrée dans mon bureau, blessée. Elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus. Elle était terrifiée. La Carienne? Traquée, sans doute. Elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre. Elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher. Et puis? Je l'ai mise en contact avec Fist. C'est un intermédiaire du courtier de l'ombre. C'était. À présent, il travaille pour sa reine. Ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre, d'ailleurs. Fist a trahi le courtier de l'ombre? Alors ça, c'est une belle connerie, même de sa part. Sa reine a dû lui faire un pont d'or. Cette Carienne doit avoir un truc qui intéresse sa reine. Quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre. Elle a peut-être une preuve de sa trahison. Est-ce que la Carienne a parlé de sa reine ou des guettes? Oui, les informations qu'elle voulait échanger. Elle a dit que c'était en rapport avec les guettes. Oh, Talil. Elle doit connaître le lien entre sa reine et les guettes. Le conseil ne peut pas ignorer ça. Il est temps de rendre visite à Fist. C'est votre histoire, Shepard. Mais moi aussi, je veux que sa reine ait ce qu'il mérite. Je viens avec vous. Vous êtes Turien. Qu'est-ce que vous avez contre lui? Je n'ai pas pu trouver la preuve dont j'avais besoin. Mais j'ai compris ce qui se passait. Sa reine a trahi le conseil. Il salit mon peuple. Tu me convaincs. Bienvenue à bord, Garrus. Vous savez, on n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist. Le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan nommé Vrex pour le descendre. Eh bien. Ouais, on l'a vu au bar. C'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main. Aux dernières nouvelles, il était à l'académie du SSC. Pourquoi faire? Selon Fist, il l'aurait menacé. Donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu. Si vous vous dépêchez, vous le verrez à l'académie avant qu'on le relâche. On y va. Au revoir à... Au revoir Ashley, hein. Ouais, hein. Qu'en même temps, la biotique, je m'en occupe. Je vois Cornélien. Lequel des deux on a envie de dégager, quoi. Comme déjà, la biotique, on va arrêter. Bon, allez, on va aller avec. On va aller avec le petit Kaidan, même s'il va pas rester longtemps. Bon, dès qu'il y a Brex, on dégage Kaidan, hein, c'est tout. Si vous vous sentez en veine, vous devriez faire un tour au casino, à l'électron libre. Tout ce qui peut se vendre, légal ou non, vous le trouverez dans les secteurs. La criminalité n'est pas très élevée dans cette partie des secteurs, principalement parce que l'académie du SSC est toute proche. Si vous vous sentez en veine, okay. Vous devriez faire un tour au casino, à l'électron libre. Alors le SSC, je crois que c'était l'escalier, hein. Ouais, c'est ça. Il dit que Synergie c'est avec les autres biotiques. C'est pour ça que j'aime bien prendre Lyra pour les combos d'adeptes. Il est encore plus grand qu'il en a l'air. Et comment tu sais ça? Je l'ai visité. J'étais l'un des 500 gagnants de la visite de l'Ascension.
C'est vrai? Ça a duré presque 6 heures, et on a vu à peine un dixième du vaisseau. J'ai même rencontré le commandant. La matriarche Lydania? Tu l'as rencontrée? Enfin, elle a fait un petit speech à tous les visiteurs. Mais j'ai réussi à m'approcher d'elle. Oh, regarde-moi ce vaisseau! Il faudrait être fou pour se frotter à ça. Absolument. Il a une puissance de feu quasiment équivalente au reste de la flotte à ça. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Biotix s'énergise bien avec les autres Biotix, c'est pour ça que j'aime bien les rares pour les combos. Ouais, je comprends. Par contre, j'ai un nouveau problème majeur, je peux pas save. Mais putain, Dain, what the fuck, t'es maudit en fait. Ça commence à se voir, hein. Oh la gueule. Hey, je vous connais. Vous êtes le commandant Shepard, non? J'étais sur Mindoir pendant le raid. Je vous ai vu en holo quand vous avez reçu votre médaille. Vous avez sauvé toute la colonie. On me dirait que vous avez un fan. Désolé, mais je n'en reviens pas de vous rencontrer en chair et en os. Je m'appelle Lang, officier Eddie Lang du SSC. C'est un honneur de vous rencontrer, commandant. Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Vous voulez quelque chose? Pourquoi vous avez rejoint le SSC? Ah, je sais pas trop. Bah, il est toujours puni. Vous semblez être la meilleure chose à faire, vous voyez. Ça doit être de famille. Mon grand-père était flic sur Terre. Et le SSC, c'est un peu la police de la citadelle, non? Je suis nouveau, mais jusque-là, on rencontre plein d'extraterrestres différents, genre les Anari. Cool. Et puis, mine de rien... Ouais, non, j'en ai rien à foutre. Vous devez être drôlement occupé. Alors, à plus, commandant. Ouais, c'est ça. J'en ai rien à foutre de ta vie, machin. Laisse-moi tranquille. Suite aux récents événements, de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime. Malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qui l'attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé, le nombre de colons volontaires a fortement baissé. Plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la protection des colonies humaines. Eh bien. Ah, blague ça. Des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de Fist. Ne t'approche pas de lui. J'obéis pas aux flics. C'est mon seul avertissement, Vrex. C'est Fist qu'on aurait besoin. Je vais le tuer. Tu cherches à te faire coffrer? Ah, essayez un peu pour voir. Allez, on s'en va. Aucune autorité, les gars. On se connaît, humain. Je m'appelle Shepard. Je recherche Fist. Je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble. Ah, il est beau. Shepard. Le commandant Shepard. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Tout le monde a entendu parler de nous. Nous sommes tous les deux des guerriers, Shepard. Par respect, je vous avertis. Je vais tuer Fist. Fist vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. Il y a un dicton dans mon peuple. Cherche l'ennemi de ton ennemi, et tu trouveras un ami. Content de vous avoir dans l'équipe, Vrex. Allons-y. Je ne veux pas faire attendre Fist. Voilà. Comme ça, au moins la question est réglée. Hein. Alors, il est un peu biotique. Il a de la puissance biotique, Vrex. Ou l'autre chose. Ok. Tiens d'ailleurs, je viens d'y penser, mais on n'a pas du tout fait les pouvoirs de... Ouais. De Garrus. D'accord. Je me rappelle tellement plus des... Je me rappelle plus trop de tous les aboutissants des différentes classes. Faudrait que je m'y remette. Vas-y mon psy.
Il faut 4 points. Bon, ça va être fusil d'assaut man. Ça me va. Vrai que c'est ce qu'il y a un truc particulièrement important que je veux. Pas tellement. Ok, ça me va. Et on va faire un peu l'équipement de Garrus, vu que Garrus, je compte le garder avec moi. Ah bah c'est le même, je suis con. De souvenirs qui est pas ouf en vérité. Fais vraiment un peu la gueule. Oula non, non ça ira. Remets ton armure Garrus. Vrai que c'est ce que plutôt pompe un lui de souvenirs. Bon ok, bref, très bien. Est-ce qu'on a des gens qui parlaient là vite fait? Idiome non. Je rapide non. Aussi en fait on va peut-être utiliser voyage rapide pour retourner au bar après. Provisionnement, c'est des marchands, on s'en fout. Ah on a perdu Vrex. Ah t'es coincé dans les jambes. Ouh loulou. Là, c'est de là où on vient. Il n'y a pas grand chose en fait au SSC dans cette version. Peut-être dans le 2 ou le 3 que c'est un peu plus fourni. Ou alors, je suis juste. On récapitule, Jalid. Votre associé, Chorban, il vous a menacé? Eh bien, non, pas exactement. Mais il veut me voir. Je crois qu'il va me tuer. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails. Mais Chorban va me tuer si je pars d'ici sans protection. Je ne peux pas vous aider, sauf si vous me donnez un peu plus d'éléments. Je ne peux pas. Je regrette. Dans ce cas, j'ai encore du travail. Mais... Bonjour. Mais vous n'êtes pas du SSC? Vous voulez quelque chose? Qu'est-ce que vous cherchiez à expliquer à l'officier tout à l'heure? Mon collègue essaie de me tuer. Moi qui le prenais pour un ami. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Il a changé. Il ne m'adresse plus la parole et... Il a commencé à me suivre. Hier, il m'a suivi durant tout le trajet, jusque chez moi. Je crois qu'il ne sait pas que je l'ai vu. Mais il était là, attendant une occasion. Je me moque de ce que pensent les autres. Je sais ce qu'il essaie de faire. Il veut se débarrasser de moi. Est-ce que je peux faire quelque chose? Parler à votre ami, peut-être. Vous accepteriez? C'est tout ce que je demande. Que quelqu'un lui parle. Dites-lui de me laisser tranquille. Il croit qu'il peut me marcher sur les pieds. Mais vous allez lui montrer un peu, hein? Dites-moi juste où il se trouve et j'irai le voir. Très bien. Il voulait me rencontrer en bas, dans les secteurs près des Halles. Pour discuter, qu'il m'a dit. Mais ça ne prend pas. Il s'appelle Chorban. C'est un galarien. Je ne crois pas qu'un scientifique comme lui vous causera des ennuis. Bonne chance, alors. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un plan cul et qu'il lui veut pas du tout du mal? Bonjour, commandant. Salut, mec. Un galérien du coup, c'est pas des galériens. D'ailleurs j'avais oublié. J'avais mon bureau par ici. Je passais la plupart de mon temps dans la paperasse. À chaque fois que je suis en visite, le SSC me fait un petit discours de bienvenue. Si le SSC n'aime pas les chasseurs de primes, il n'a qu'à faire son boulot correctement.
Ça se comprend. À chaque fois que je suis en visite, le SSC me fait un petit discours de bienvenue. Il y a toujours un ou deux civils autour de l'académie pour venir se plaindre auprès des officiers. Oui, en même temps, c'est un peu leur taf, quoi. Hop, un peu d'XP gratos. Très bien. J'avais mon bureau par ici. Je passais la plupart de mon temps dans la paperasse. J'entends. Et sympa la lumière ici. Quand une fois les reflets dans le sol et tout. Et c'est sur les personnages que ça manque le plus en vrai. On va aller parler aux galariens du coup. Alors, galérien. C'est lui ? Ouais. Oh bah, il a un flingue. Ne bougez plus. Lancez-moi les données et vous pouvez partir. Comment ça, quelle donnée ? Je ne suis pas d'humeur à jouer avec vous, humain. Je vous le demande une dernière fois. Donnez-moi les données et Jalil s'en sortira. Ce n'est pas la peine de laisser les événements nous dépasser. Très bien, si c'est ce que vous voulez. Les gars ! Oula ! Oula ! Sort-il déployé ? Pourquoi ton Attendez, j'abandonne. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Qu'est-ce qu'elles ont de si important, ces données ? Pourquoi les vouloir à ce point ? Je croyais que vous le saviez. Il a dit que vous alliez les livrer. Je devais livrer quoi, au juste ? Les données initiales tirées des scans de veilleurs. Pour assembler les scanners, il a fallu qu'on vole un projet de recherche. On était censé coopérer. Je m'occupais des scans et lui des analyses. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire ? Les veilleurs sont pour ainsi dire impossibles à scanner, et on ne peut pas les capturer ni en obtenir des échantillons, ils s'autodétruisent. Malgré les siècles passés ici, on ne sait toujours rien d'eux. Vous ne voyez pas ? Personne ne les avait jamais scannés jusqu'ici, personne. Pourquoi vous voulez tuer votre associé ? Non, je n'ai jamais voulu le tuer. Jalil devait faire connaître nos résultats initiaux. Mais il a décidé de garder ses données pour lui. Ou peut-être de les vendre, j'en sais rien. Alors vous essayez simplement de récupérer ce que Jalil a déjà volé. On a perdu la tête, on ne pouvait pas laisser passer une occasion comme celle-là. Mais ça n'a plus d'importance, tout ce que je veux c'est m'en tirer vivant, avec ou sans les données. C'est quoi votre méthode pour obtenir des infos sur les veilleurs ? Oh, bah c'est tout simple. Il suffit de s'en approcher et de les scanner. Je vous sens intéressé, ça vous dirait de m'aider ? Vous voudriez que je fasse quoi ? Je vous donne mon scanner. Dès que vous voyez un veilleur, scannez-le, discrètement. À chaque nouveau veilleur scanné, ma base de données sera automatiquement mise à jour. Et avec elle, votre compte en banque. Oh, pourquoi pas, hein. Quelques scans par-ci par-là, ça ne fait de mal à personne. Parfait. Tant qu'à faire, vous pourriez peut-être parler à Jalil. Sans lui, je ne peux rien faire des scans. Il faut qu'il m'aide à les analyser. Je vais le voir tout de suite. Merci, commandant. Bon scan. Mais on n'aurait pas pu parler de ça avant que je vous défonce, quoi. Alors. On dirait que c'est fermé.
Fist sait qu'on arrive. Ah. Ah bah oui, en effet. La visée, ça se passe un peu mieux. J'ai l'impression qu'il est plus précis mon flingue. Peut-être une impression, mais je m'en sors mieux là. Pitié, toi. Stop! On bouge plus! De simples ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. Reculez ou on tire. C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot. Ouais, ouais, c'est vrai, bonne idée. Jamais pu blairer fils de toute façon. Mmh. Ah, c'est ça, cassez-vous les bleus. Ça aurait été plus rapide de les tuer. Bah non. Tuer n'est pas la réponse à tout. Là j'aurais dit cassez-vous et ils ont dit oui, c'est ça le plus rapide. Hein. Rex. Je m'en fous. Ah, j'ai un nouveau pistolet. Mais il est nul, pas de chance. Ça faut que j'ai moi un Stinger 2. Ok. Et par contre, il y avait aussi un fusil de précision. Pas mal. Vas-y. Voilà, voilà. Attendez, ne me tuez pas, je me rends. Où est la carienne? Elle n'est pas là. Je ne sais pas où elle est, je vous le jure. Il sert plus à rien maintenant. Laissez-moi le tuer. Attendez, attendez. Je ne sais pas où est la carienne. Mais je sais comment la trouver. Elle n'est pas là. Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne. En personne? Impossible. Même moi, j'ai été recruté par l'intermédiaire d'un agent. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre. Personne! Même moi, je ne connais pas sa véritable identité. Mais elle ne le sait pas. Je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue. Ça fait et quoi? Quand elle se pointera, c'est les hommes de Saren qui l'attendront. Dis-moi où a lieu le rendez-vous, tout de suite. Si on juste te ici, fume. Dans la ruelle, près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. Qu'est-ce que vous faites? Le courtier de l'ombre m'a payé pour le tuer. Je ne laisse pas un boulot en plan. C'est moi qui commande ici. Si vous recommencez un truc comme ça... C'était le dernier contrat qui me restait. Et puis, on a des soucis plus pressants, non? La carrienne risque de mourir si on ne s'active pas un peu. Oh non, pas Tali. Allô? Vite. Vite.
suis prêt. Dali, j'arrive. On était large. Par là ? Ah, c'est ici. Vous l'avez avec vous ? Où est le courtier de l'ombre ? Où est Fist ? Ils vont arriver. Où est la preuve ? Non. Le marché est annulé. Allez. Fist m'a tendu une embuscade. J'aurais dû me méfier de lui. Les galériens en armure, ils avaient une bonne gueule. Hein. Vous n'êtes pas blessé ? Non, je sais me défendre, mais j'apprécie votre aide. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Shepard. J'essaie de prouver que Saren est un traître. Alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang ? Mais pas ici. Trouvons un endroit sûr. Nous pourrions l'emmener à l'ambassade humaine. Votre ambassadeur voudra voir ça de toute façon. Trop stylé, Tali. Ils ont refait un peu son armure, j'ai l'impression, non ? Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Koras. Vous savez combien de... Qui est-ce ? Une carrienne ? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard ? Je vous sauve la mise, ambassadeur. Elle possède des informations qui font le lien entre Saren et les guettes. Vraiment ? Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle... Je m'appelle Tali. Tali Zora Naraya. Nous voyons peu de cariens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille ? J'étais en pèlerinage, mon rite de passage à l'âge adulte. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est une tradition de mon peuple. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons le vaisseau de nos parents et nous nous éloignons de notre peuple pour un temps. Seuls, nous explorons les étoiles pour ne rentrer à la flottille qu'après avoir découvert quelque chose de valeur. De cette manière, nous prouvons que nous sommes dignes d'être des adultes. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Quelque chose de valeur ? Des ressources, comme la nourriture et le carburant, ou une technologie utile, ou même des connaissances qui pourraient contribuer à améliorer la vie sur la flottille. En accomplissant notre pèlerinage, nous gagnons notre place au sein d'une communauté dont les ressources sont trop limitées pour être gâchées. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des guettes. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les guettes ne s'étaient jamais aventurées au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille guette jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les guettes grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Comment avez-vous réussi à préserver le noyau ? C'est mon peuple qui a créé les guettes. En étant rapide, prudent et chanceux, il est parfois possible de récupérer quelques octets de mémoire. La majeure partie du noyau avait été effacée. Mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Vous pensez qu'il entend quoi par « nous avons fait un grand pas en direction du canal » ? Je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la balise. Un artefact protéen, peut-être. Ou une arme. Attendez. Saren n'était pas seul. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voix. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneurs ? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. Moi aussi. D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existaient il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéins et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les guettes. Ça m'a l'air... un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéins se faire exterminer par les moissonneurs. Pour les guettes, les moissonneurs sont des dieux.
le summum de la vie non organique. Et ils pensent que sa reine sait comment provoquer leur retour. Le conseil va adorer ça, sans aucun doute. Ah, c'est ouf, je me rappelais pas que tout le délire des moissonneurs et tout, on te l'expliquait dès le début du 1, en vrai, hein, parce qu'on est à quoi ? On est à 3 heures de jeu, et c'est bon, c'est déjà dit. L'ennemi, c'est les moissonneurs, c'est la merde. Ils ont exterminé les protéins. Et ils veulent revenir. Les moissonneurs sont un danger pour tout l'espace concilien. Il faut les avertir. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que sa reine est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au conseil sans tarder. Et la Carienne ? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vu tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Je croyais que vous aviez un pèlerinage à faire. Le pèlerinage prouve notre volonté à nous investir pour le bien de tous. Que dirait-on de moi si je me détournais de cette mission ? Sa reine menace la galaxie tout entière. Mon pèlerinage peut attendre. Eh bien, vas-y. Bonne volonté, ça ne se refuse pas. Exactement. Merci. Vous ne le regretterez pas. Bien sûr. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement et venez nous rejoindre dans la tour. Préparer mentalement. Tiens, je me demande qui est cette personne. Bref. L'équipe de choc est là. Tali. Et ouais, je me rappelais pas de son bras comme ça, là. Avec l'espèce de tuyau et tout, là. Bref. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas joué. Bah oui, on a remonté de niveau, du coup. Mais Newton, incroyable. L'option dialogue, évidemment. Hop, un peu augmenter notre score d'adepte, je pense. Ça peut pas faire de mal. Garrus. Ah non, mais désolé, hein. Moi, c'est mon équipe du cœur, c'est Tali Garrus. Hein. Il m'accompagne dans tous les jeux. Tout, hein. C'est la team. Hein. Tiens, vas-y, augmente ton armure. Et Tali. Électronique. Ça fait électronique déjà. Ah, ils ont tous les deux décryptage. Ils ont beaucoup de trucs en commun en fait. Hein. Mais elle peut partir fusil à pompe aussi. Ça me fait rigoler, je pense qu'on fera peut-être ça avec Tali. Il faudrait que j'augmente moi pour aller chercher mes pistolets, en fait j'ai été con. On fera ça la prochaine. Et oui, il faut que j'aille prendre les points pistolets. Hein. Bon après ça me permet de réduire les d'utilisation, donc c'est pas un problème mais... Alors Tali. C'est pas mal. Pas mal ça, radioactif. Il y a fusil à pompe du coup. Non. Pas d'armure particulière pour l'instant. Ça marche. Ok, mon équipe de choc. Tout cet espace, un millier de cariens pourraient vivre ici sans jamais se croiser. Un lac sur une station spatiale? Ça doit leur coûter une fortune en entretien. Ouais. Mon peuple aussi avait son ambassade ici. Mais nous avons créé les guettes et nous en avons payé le prix. Tout cet espace, un millier de cariens pourraient vivre ici sans jamais se croiser.
Tant que je suis là, il faut que j'aille parler à Bozo, là. Tendu. Salutations, humain. Le moment est mal choisi. Je sais qui a révélé votre secret. Un Turien nommé Septimus. Incrédule. Je connais ce Septimus, et il n'a pas pu apprendre mon secret. La seule personne qui aurait pu l'informer, c'est la favorite. Tenez, ça devrait vous convaincre. Troublé. Je ne comprends pas. Si le Turien l'a appris par lui-même. Consterné. N'importe qui peut découvrir mon secret. Septimus est un homme puissant, et pourtant il a eu du mal. Soulagé. Vous avez probablement raison, humain. Merci pour cette information. Prise de conscience. Je dois d'ailleurs aller parler en personne à la favorite. Elle est certainement très mécontente de ce que j'ai fait. Anxieux. Veuillez m'excuser, humain. Je dois partir immédiatement. Je suis sûr qu'elle vous pardonnera. C'était une erreur compréhensible. Incertain. Vous avez peut-être raison, humain. En tout cas, je l'espère. Reconnaissant. Vous m'avez rendu un fier service, commandant. Approbateur. Vous voyez, Dean, tous les humains ne sont pas comme vous dites. Je suis sûr que l'être humain a quelque chose à gagner dans tout cela. Oh, t'es chiant, hein. Journal, hein. Est-ce qu'on a d'autres trucs à faire? Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'analyse des trucs. Désolé. Merde. N'écoutez pas mon homologue, Volus. Vous avez bien. Oui, j'ai bien agi. Je sais. Excusez-moi, commandant Shepard, vous auriez quelques minutes à m'accorder? Oui. Commandant Shepard, je m'appelle Samesh Bhatia. Désolé de vous déranger, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Aucun problème. Que puis-je faire pour vous? Ma femme était marine. Elle servait dans la 212e sur Eden Prime. Aïe. J'ai demandé la restitution de son corps pour la faire incinérer, mais l'armée a refusé. Pourquoi ça? Il doit y avoir une raison. Je ne sais pas. On m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas récupérer le corps de votre épouse. Attendez ici. Le responsable de mon dossier s'appelle Monsieur Bosker. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le bar chic là-bas. Merci beaucoup. Tout ce que je veux, c'est donner à ma femme les funérailles qu'elle mérite. Les butariens, c'est lesquels déjà, Dan? C'est ceux qui ont un peu des têtes de cul, non? C'est pas ouf comme comparaison, mais... C'est ceux qui servent souvent d'antagonistes, là, de pirates, de l'espace et tout, non? C'est où le bar? Ah, c'est là. Mais vous êtes le commandant Shepard? Je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne du corps diplomatique qui ne vous connaît pas. Puis-je faire quelque chose pour vous? Tête d'ampoule à quatre yeux. Bah, ça doit être ça. Bah, si c'est ceux à qui je pense que je pourrais faire les Volus. Samesh Bhatia m'a demandé de venir récupérer le corps de son épouse Nirali. Monsieur Bhatia vous a sans doute précisé que le quartier maître Nirali Bhatia était mort sur Eden Prime. Or, l'aspect de ses blessures ne correspond à aucune arme connue. C'est pour cette raison que nous conservons son corps. Vous pensez que son corps est dangereux ou contaminé? Non, commandant. Nirali Bhatia ne représente aucun danger. Bien au contraire, son corps est extrêmement précieux pour l'Alliance. Les tests que nous menons permettront d'améliorer nos défenses contre les attaques des guettes. Avec tout le respect dû à sa mémoire, le soldat Bhatia sauvera plus de vies après sa mort qu'au cours de sa carrière. Je comprends vos raisons, mais ça ne vous donne pas le droit de conserver le corps. Commandant, si quelqu'un peut comprendre les mesures que nous devons prendre pour protéger l'humanité, c'est bien vous. Je suis d'accord, mais pas au prix de notre humanité. C'est justement pour lutter contre ce genre d'agissement que je me suis engagé. Très bien. Vous avez gagné, commandant. C'était déjà assez dur de refuser à Monsieur Bhatia. Je ne vais pas prendre le risque d'aggraver la situation en m'opposant à vous. Dites à Samesh que nous allons renvoyer le corps sur Terre. Je vais m'en occuper personnellement. Voilà, et ferme bien ta gueule. Cordialement.
Et du coup, oui, bah, c'est, si c'est ceux à qui je pense, c'est les Volus que je préfère. Ah, commandant, vous avez du nouveau ? J'ai rappelé à Monsieur Bosker pourquoi nous combattons. Votre femme sera bientôt à vos côtés. Merci infiniment. Je vais rentrer chez moi et faire le nécessaire. Cela n'efface pas ma tristesse. Mais au moins, je vais retrouver la paix. Au revoir, commandant. Salut, bro. Bon courage. Le Présidium. C'était ma toute première affectation au SSC. Pas qu'il s'y passe grand-chose, mais... Il ne fait jamais nuit ici. Lumière artificielle en permanence. Ah, c'est vrai, ça. Les ambassadeurs disposent de ce magnifique parc pour se détendre. Mais ils ont rarement le temps d'en profiter. Le Présidium. C'était ma toute première affectation au SSC. Pas qu'il s'y passe grand-chose, mais... Un lac sur une station spatiale ? Oui, ça, elle a déjà dit. Ça doit leur coûter une fortune en entretien. C'est vrai, ça, c'est vrai. Faut peut-être que j'aille voir la favorite, du coup.